Michelin n'est-il pas affecté par cet arôme toxique? Tout simplement parce que l'odeur vient de sa chambre. Oh, c'est dégoûtant. On pourrait se perdre dans ce capharnaüm. Change-la, ta chambre est une vraie porcherie. Bah bien sûr, sinon ils iraient où les cochons? Les cochons! Des petits petits cochons! Bon, ça a pas l'air rangé, mais je sais exactement où est chaque objet. Voilà l'arbre poubelle où vivent les opossums. Là, c'est ma collection de moisissures. Et là, c'est Sticky Joe. Salut Sticky Joe! Ben comment ça va? C'est inacceptable, Chamblin! Arbre poubelle, moisissure, Sticky Joe! Comment ça va? C'est pas une façon de vivre! Ça te dit de voir un truc cool? Bien sûr! Regarde un peu ça! Hey! Hey! Comment ça va? Waouh, t'as failli toucher Sticky Joe! Super! Cette fois-ci, j'ai essayé les yeux fermés! Attends! Et si tu le touches? Je m'en moque! Pas moi! Ah, c'est vrai? Eh ben, je le fais quand même! Comment ça va? Je peux pas te laisser lancer des couteaux sur Sticky Joe. Tu crois pouvoir me donner des ordres? Quelqu'un doit le faire, non? Combat! Oh, Sti! Du balai, Sticky Joe! Il ne revient plus! Jamais! Cette histoire d'embrasser tout le monde, ça sert à rien. Mieux vaut être mal compris et rester soi-même que de changer de personnalité pour faire comme les autres. C'est complètement faux, je n'ai jamais rien entendu de plus absurde. Je dois continuer à embrasser des gens jusqu'à ce que je trouve la personne qui me permettra de m'exprimer clairement. C'était vraiment dingue. Oh bon sang, c'est ridicule. Hey, comment ça va? Ben là, ça va pas. Mon pote, mais qu'est-ce que t'as fait? C'était un trognon porteur! Nous allons tous être enterrés vivants! Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Il me faut les opossums, des chaussettes et Sticky Joe. J'ai déjà jeté tout ça. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi jeter des ordures? Vite, au trou de secours! Magnétoscope. Bon, assez parlé, que la fête commence. Où est la télécommande? Je ne sais pas où se trouve la télécommande. Je l'ai pas vue. Moi non plus. Aucune idée. Elle doit être sous un coussin du canapé. T'aurais pas vu la télécommande, Stinky Joe? Hey, comment ça va? Une fois de plus, tu nous sers à rien. Fiche le camp, Stinky Joe, va-t'en! Oh non, c'est pas vrai, elle est pas là! Je la vois pas! Où est la télécommande? J'arrive pas à la retrouver! Sans elle, on peut rien faire! Oh, me revoilà! T'es prêt à rencontrer nos nouveaux équipiers? J'ai hâte de voir ça! Je crois que tu vas être agréablement surpris, mon pote! J'ai raclé les fonds de tiroir pour les trouver! Change-le! T'as réussi! Je croyais que t'étais inutile! T'as vraiment réussi à recruter les trois meilleurs membres de la Ligue des Justiciers? Non, ce sont mes draps de lit. Je m'en suis servi uniquement pour cacher les nouvelles recrues et faire monter le suspense. Dis bonjour aux nouveaux jeunes titans. Le Père Noël, la petite souris et Sticky Joe. Comment ça va? J'avais raison, t'es inutile. Ce ne sont pas des super-héros. Je suis pas un super-héros. Tu connais quelqu'un d'autre capable de porter tous les jouets de la planète tout en supportant une odieuse femme acariâtre qui se plaint tout le temps ainsi que 8 reines qui sont frileuses? Je suis pas mal dans mon genre, moi aussi, taratatata. Mes petits doigts se sont promenés sous ton oreiller à la recherche d'une dent hier soir. Taratatata. Comment ça va? Ça ne marchera jamais, ce ne sont pas de vrais super-héros. Moi aussi, j'étais pas un vrai super-héros, mon pote, jusqu'au jour où tu m'as donné ma chance et fait de moi un jeune titan. Tu dois leur donner une chance aussi, mon pote.
Alors, vous voulez tous devenir de jeunes titans? Je suis prêt à faire n'importe quoi pour ne plus rester avec Madame Noël. Elle peut devenir un véritable cadeau empoisonné, si tu vois ce que je veux dire. Je le ferai pour des dents. Je ferai n'importe quoi pour des dents. Ta-ta-ra-ta-ta. Il n'y a pas de dents à remporter, da-da-da-ra-ta-ta. C'est ce qu'on verra, ta-ta-ra-ta-ta. Ah, très bien, je vous déclare tous officiellement membres de l'équipe des jeunes titans. Les jeunes titans. Ouais. Génial. Bah, qu'est-ce qui va pas? Tu as pris quelque chose d'important en moi et tu l'as donné à de parfaits étrangers, mais c'est pas grave. Non, t'as tort, ma belle. J'ai composé cette chanson pour que le monde entier soit au courant de l'amour que j'ai pour toi. Alors, ma belle, laisse-moi te montrer quelque chose. Il n'y a que Ravel, ma chérie adorée. Tu vois, ma belle, ta chanson pousse les gens à sortir ensemble, et les animaux aussi. Même Sticky Joe déclare sa flamme. Comment ça va? Je suis fier de toi, mon pote Sticky Joe. Tu vois tout le bonheur que ta chanson apporte au monde entier. À vous de jouer, les nouveaux! Montrez-moi de quoi vous êtes capable! Il n'y a qu'une seule façon de punir un enfant qui est méchant! Charbon! Pitié, dites-moi que vous pouvez faire mieux que ça! Mais non! Concentrez-vous sur votre mission! Il nous rattrape! On n'arrive pas à les semer, mon pote! Comment ça va? On dirait que ce camion mystérieux se propose de nous cacher! Nous n'avons pas d'autre choix! En tout cas, ici, il n'y a pas d'humidité. Ah, allons remercier celui qui nous a sauvés. Wow. Ah, y a personne. C'est peut-être un camion fantôme. Comment ça va? Sticky Joe. Comment Sticky Joe est-il devenu un poids lourd? J'ai compris. Il devait se réchauffer les mains auprès d'un feu devant le laboratoire secret la nuit de l'accident. Sticky Joe, t'étais déjà cool avant! Mais là, t'es encore plus cool! Comment ça va? C'est le bonheur du popotin! Je suis sincèrement navré d'avoir anéanti ton jardin secret. Tu m'as confié ton secret et je ne l'ai pas respecté. Je te pardonne, tu n'as pas à t'en vouloir. Tu as agi ainsi pour aider des amis dans le besoin. Maintenant, essayons de profiter tous ensemble du calme de ce nouveau jardin. Comment ça va?